Connectez-vous, alors on finit, non? On finit le live. Je vous ai dit que j'allais relancer, que maintenant qu'on va parler des... Giovanni, tu es malade, tu as quoi? Tu as tes règles. Je garde bien le téléphone en vue parce que maintenant je vais avoir les têtes de mort. Au goût de ça. Au goût des têtes de mort de ça. Connectez-vous, on finit. Connectez-vous, on finit, on finit, on finit ce soir avec Anango et Stella. On finit avec Anango et Stella, pardon. Je veux finir avec le dossier là, moi ce soir. Parce que moi je suis une visionnaire. Quand moi je vous dis quelque chose ici, vous pensez que je dis pour dire. Moi je suis une visionnaire. Quand je parle d'un truc, c'est parce que j'ai vu déjà le truc. Et les révélations que moi je vais vous faire ce soir. Gardez-les bien dans vos entrailles. Et un jour, d'ici 2-3 ans, vous allez dire que, hey, Élise Battante nous avait dit ceci, nous avait dit cela. Ah, bonsoir, Yvette. Hey, Yvette a regardé. Oh, maman, Yvette tout court. Bonsoir, ma chérie. Comment tu vas? Tu vas bien? La vie est belle pour toi, ça dose. Ça. Je vous dis que depuis que j'ai le billet d'avion pour aller au pays, là, maman, le foirage me gère, les filles, pardon. Envoyez-moi même pointer. Ah, le foirage me gère. Il a fallu que j'aie mon billet d'avion, hein, pour le pays. Maman, la dureté de ça, t'es fort. Je suis restée comme ça, je dis que merde, c'est quoi ça? Je n'aurais pas dû prendre le billet d'avion ou quoi? Florence Akama, ma soeur, bonsoir. Estelle Das, coucou. Je vous jure que quand je n'avais pas, parce que moi je prends toujours mon billet d'avion bizarre, bizarre. Oui, ma chérie Yvette, ça va, non? Ça va très bien. Ça, même si comme le foirage, c'est l'attaque là, ça va, ça va. Non! Estelle, tu veux intervenir, maman? Tu sais que... Bon, interviens alors, vas-y. Je te prends quand même. Vas-y, vas-y. On va aborder le sujet, mais bon, si tu veux... Bonsoir, Estelle. Bonsoir. On a quelqu'un qui veut intervenir. Je te prends là, non? C'est toi qui veux intervenir. Je te prends. Et que tu refuses, pourquoi? Tu me lances l'appel que tu veux intervenir, tu refuses. Vous les peureuses, de... restez seulement comme vous êtes là. Ne venez pas si vous n'avez pas la gnaque, la force de supporter. Je vous dis toujours ça ici que you know become, oh. You know become, you stay. Restez seulement là-bas et... Ah bon? Non, ma chérie, je prends toujours le même. Je prends toujours Air France, toujours. J'aime bien. Et Delphine Epé, ma chérie, bonsoir. Maman Jean de Douala, bonsoir, ma soeur. Je prends toujours le même. Depuis que je vous dis que je pars au pays là, tout allait bien, non? Maintenant, dès que j'ai pris dès que j'ai pris le billet, qu'il y a la date, maman, le game est de ça. Le foirage de ça, les tensions de ça. Je dis que c'est quoi encore? Hein? Non. Est-ce que l'Éthiopie n'est pas au Cameroun même? Je ne sais même pas si. Moi, je n'ai jamais vu.
Je vous dis que le foirage de ça, le stress, depuis là, j'ai une barre. En fait, c'est pour ça que moi, je n'aime pas. Je n'aime pas prendre mes billets d'avion tout de suite. J'aime quand c'est spontané, en fait. Dans ma vie même, j'aime bien tout ce qui est spontané. Depuis que j'ai pris le billet d'avion avant-hier, j'ai une barre ici. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Je vous dis. C'est fort, c'est une ninja, c'est caillou, ça ne va pas. Débloquez-moi ça, montrez-moi, dites-moi comment je dois débloquer ça. Je vous jure, depuis là, je suis un peu, le stress me tient et tout, vous savez, aller au pays, c'est une chose, quand tu as déjà envoyé l'argent au pays pour qu'on fasse des choses, c'est une chose, mais quand toi-même tu pars, tu ne vas pas que partir, mais il faut aussi que tu partes aussi avec un bon petit portefeuille quand même. Et depuis là maintenant, là, je vous jure que... Maman. Foirage, je dis, take me. Je te jure, je ne vois même plus rien. Pourtant, la semaine dernière, j'étais... La joie de ça. Et maintenant, là, je ne vois même pas. Il siphonne. Bref. Bon, ça c'était pour le côté humour. Pourquoi on rigole un peu? Vous savez, je vais vous donner mon. Stella, tu es personnage public. Anango, tu es personnage public. Élise Battante, je suis personnage public. On peut se permettre de nous dire des choses et nos points de vue. Moi, perso, la personne. Gaël Lafleur, ce que tu dis est vrai, je te dis. Elisa, Elisa, bonsoir ma belle. Ce que tu dis est vrai, c'est chaud. Voilà, alors vous m'emportez déjà sur des autres sujets. Ah bon, non, moi, ce n'est même pas question de kilos. Non, non, non. Moi, ce n'est même pas question de kilos. Je vous dis que moi, je voyage souvent avec parfois mon sac à main. Hein. Je ne pas. Mes kilos sont. Je pars souvent au Cameroun rien qu'avec mon sac à main. Ou une petite valisette à main, là. Ou avec une petite valisette à main. Moi, je ne. Je suis pas trop kilos, parce que généralement, j'envoie souvent tout. Ça arrive même. Avec les petits frettes, les petits transporteurs là. Ah bon, pourquoi? Chacha, Chacha de Charleroi, tu as eu la peur de ta vie. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? Raconte-nous. J'ai l'impression que vous ne voulez pas que je parle de Stella et de son alcoolisme. Ok. Dis-nous, tu as eu quoi, non, ma chérie? Qu'est-ce qui s'est passé? Mal au goût de ça. Quoi? Moi, je suis personnage public. Anango est personnage public. Stella est personnage public. Donc, personne ne porte plainte à personne. Nous sommes sur les réseaux. Ah, pas non. Est-ce qu'on t'a dit qu'elle a fermé? C'est pas parce que. Ok. Nia. Vous m'avez envahi mon direct, vous les gens. Si... Non, mais je te jure, j'ai déjà fait plusieurs voyages au Cameroun avec ma petite valisette, la petite trottinette là qu'on tire comme ça, qu'on met en haut là. Hein. Je ne suis pas très kilo, je ne suis pas. Moi, je ne. Pff, ça finit comme ça. Ok, bon. Moi, je veux aborder le sujet d'Anango et Stella. Vous savez que parfois, moi, je dis mes choses, mais ça tombe que c'est véridique. Ceux qui ont écouté le live de la petite Stella, là, ceux qui ont des oreilles d'adultes comme moi, j'ai très bien écouté la petite, là. Bon, j'étais entre deux mouvements, non? Vous comprenez? Oui. J'étais entre deux mouvements, mais j'écoutais quand même.
Oui. Et je peux vous dire une chose. Dans la vie, si. Je vous avais déjà dit dans mon précédent live que le méchant n'est pas toujours celui qu'on croit. Stella, ma petite sœur, je te tire mon chapeau. Je le tire, je jette à terre. Bah! Je te tire mon chapeau. Tu es une femme. Tu mérites que je te trouve une place dans mes réseaux. Tu mérites. Tu mérites que je te trouve une place dans mes réseaux. J'avais dit ici que c'est toi qui gères. C'est toi qui commandes. Maman, laissez-moi un peu bien m'asseoir. Je n'ai... Combien sont au Cameroun là-bas des petites pisseuses qui ont fait ramener un homme de l'Europe? Aller au pays, les rencontrer et leur faire djoumbeng. Combien vous êtes au pays? Laissons un peu les histoires de petites jalousies entre nous, les bakoba, les petits trucs de quartier là. Stella, j'ai écouté ton histoire aujourd'hui. Franchement, pour une comme moi, j'ai dit que merde, la petite si a réussi à entuber Serge Anango qui braille sur les réseaux sociaux là. Elle a réussi à faire à ce que Serge Anango fasse les dossiers pour elle. La fête Djoumbeng, prend les hypothèques, fasse des crédits pour rembourser un crédit de 7 500 euros. C'est 7 ans, hein? C'est 7 ans. Comment il a pu faire? Alors, un chasseur chassé, hein? Attention, un chasseur chassé. Parce que beaucoup de gens pensent que Serge Anango, il est pris au piège. Serge Anango, mon frère, Yougoulouk, tu es allé chercher, non? Tu as laissé la mère de tes enfants, celle qui t'a mis des enfants au monde. Tu es allé sur Facebook avec tes longs yeux, avec ta petite kikinette. Tu t'es dit que tu pars chercher une fille au pays. Mon frère, il fallait descendre sur le terrain. Tu pars chercher une korom korom. Une korom korom qui est même plus une korom korom que certaines filles du dehors là. Stella est plus une korom korom. Laisse-moi te donner l'explication d'une korom korom. Stella est plus rusée que beaucoup de filles qui sont dehors là. Mon frère. Tu as touché. Laisse-moi te dire que tu as touché. C'est toi qui es pris au piège. Ce n'est pas elle. Elle est déjà en bain. Elle peut dire qu'elle est loyale, qu'elle est tout ce que... Elle dit ce que toi tu veux entendre et que les gens veulent entendre. Mes chers soeurs et frères camerounais, laissez Stella tranquille. Elle sait ce qu'elle fait. C'est une fille qui a alors réfléchi comme vous ne pouvez pas imaginer. Franchement... Stella, ton live m'a mis à terre. J'ai compris que même moi, s'il faut que je me méfie de toi. Que si un jour tu m'appelles que grande sœur Élise, je vais venir jongler dans tes milieux là, je vais réfléchir à deux fois avant que tu viennes. Je vais réfléchir deux fois avant que tu viennes. Je te jure. Hein? Non, tu es forte. Maman, tu l'as connue où? Sur Facebook. Avec tous les menteurs, mais Anango, mais tu n'es rien en fait. Franchement, une petite fille que t'a draguée sur Facebook, t'as réussi à l'amener en Europe, et tu penses que c'est toi qui la tiens à la coupe? Mais sorry, ça c'est cette fille-là m'intéresse. Cette fille-là, franchement, elle m'intéresse. C'est elle qui tient la baguette. Je vous avais déjà dit que méfiez-vous. Stella que vous voyez là, c'est elle qui commande Anango. C'est elle. C'est elle qui commande Anango. Oui. Anango, mon petit frère ou mon grand frère. Bon, tu ne peux pas être mon petit frère parce que quand je vois. Non, bref, tu es mon frère. Camerounais, hein? T'es pas. Mon frère camerounais. Tu es camerounais, je suis camerounaise. Je m'arrête là. Maman, l'Angala t'a chou. Cugna, 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 le dragage de ça.
sur Facebook. Le dragage de ça. Maman, vous avez vu la fille là. Moi, je vous dis que j'ai regardé son direct entre deux mouvements. Je restais comme ça, je dis que c'est moi en miniature, ça. C'est moi, ça. Mof. La loyauté de ça. La loyauté de ça. Je suis loyale. Maman, elle dit ce que tout le monde doit entendre. Elle dit ce que Serge Anango est fier d'entendre. Maman, Serge Anango, tu as misé. Nobi chop. Laisse-moi te dire que tu ne vas pas manger le retour de ça. Tu ne vas rien manger. La petite nga que tu as fait Kim là, dis que tu as aidé une pauvre fille que tu as ramassée au pays sur les réseaux sociaux et arrête-toi là. Si tu dis que tu attends le retour, hein. Et c'est au départ, si elle dûmait, au départ, dès qu'elle avait atterri là, tu allais profiter. Mais maintenant qu'elle est rusée, comme elle est rusée là, mon frère, mon grand frère, ta mise, c'est dans zéro. Tu as mal misé sur le mauvais cheval. Tu as misé sur le mauvais cheval. Quand tu vois la petite là, quand tu vois la petite là, tu vois que tu vas faire quoi? Elle est déjà là. C'est toi qui as tout à perdre. D'ailleurs, je vais attirer ton attention que c'est toi qui as tout à perdre. C'est toi qui as tout à perdre. Tu ne vas rien gagner, même pas si la fille a un sens. Elle a le sens que même beaucoup qui sont ici, que ça fait 5 ans qu'elles sont en bain. 10 ans qu'elles sont en bain. Elles n'ont pas le sens de Stella. Stella, ma petite sœur, je te tire mon chapeau. On a son françois, parce que je sais que j'ai cru comprendre que tu comprends le Yaoundé. Tu as grandi là-bas. On a son françois, pêcher un poisson dans Facebook. Facebook, je vois qu'il y a que de la merde là. Toi, tu as réussi à pêcher un poisson. Elle vous a dit ça, mais elle a dit ça en mode. Il n'y a que des corum-corum comme moi qui pouvaient comprendre ça. Il n'y a que des femmes comme moi qui pouvaient comprendre l'élocution qu'elle a donnée là, le sens de ce qu'elle voulait vous dire. Vous entendez que le gros français, mais pas derrière, c'était un codage que même Serge Anango, tellement il se croit intelligent, qu'il n'a rien compris. Qu'il n'a rien compris. Maman, ma petite soeur, il faut qu'il y en ait beaucoup comme toi au Cameroun. Que vous m'écrasez tous les mbengueteurs assoiffeux là. Toutes qui viennent vous regarder vos petits citrons là comme ça là. Tu as réussi ton coup, ma chérie. Yougoufaya! Yougoufaya! Hein? Yougoufaya! Yougoufaya! Elle vous a dit que quoi? Qu'elle a connu sur Internet, comme nous, sur Facebook, même pas que sur les réseaux de rencontres et tout. Stella a connu Anango sur Facebook. Elle l'a taclé Anango sur Facebook. Elle a taclé Anango sur Facebook. Elle est arrivée à ses fins. Elle est en bing. Maintenant, on peut tout dire. Hein? Oh, ceci, tu viens d'arriver. Oh, cela, et machin et tout. Elle est là. Même Anango ne peut plus la faire repartir au pays. Même s'il veut, il brûle toute la France. Elle ne repartira plus. Et je te préviens tout de suite que quand elle va soulever un watt, ce ne sera pas de la merde. Hein? Ce ne sera pas de la merde qu'elle va soulever. Hein? Je te préviens. Hein? You go cry, hein? My friend, you go cry. Tu penses que tu la tiens? C'est plutôt elle qui te tient. Moi, franchement, quand je te voyais, le cul de ta mère, machin, 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 je croyais que, franchement, au début, je croyais que c'est toi qui menais la barque. Mais non, tu ne mènes aucune barque. Cette petite-là te tient à la barbichette.
Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Oui. La petite là te tient à la barbichette, mon cher ami. Tu es mort en guerre. Tu ne recommenceras plus. J'allais dire que, mais, quand j'ai d'abord vu la cité là, j'ai dit que, mais, qu'est-ce que c'est que cette petite fille aussi juvénile, enfantine, l'air naïve, un peu boutonneuse là? Maman, comme on dit souvent que. Ah ça, ma petite sœur, je te fais confiance. Tu ne seras pas première dame au Cameroun. Tu n'auras aucun poste au Cameroun. Mais ici à Mbeng, tu vas au moins élever ta famille. Hein. Je te fais confiance pour ça. Ah non, je te fais confiance. Quand vous voyez même. Même quand Serge Anango parle avec elle en live, Serge Anango envoie son visage comme ça. Hein. Il ne la parle pas comme ça. Il envoie son visage comme ça. Parce qu'il a déjà perdu. Il sait qu'il a déjà perdu. La petite est là. Elle est là. Elle est là. Il a déjà perdu ses armes. Il ne peut plus rien. Même s'il dit quoi, même s'il insulte, même s'il la traite, j'étais ramassée dans un trou. Tu ne vaux rien. Tu n'es rien. Chenasse, machin et tout. Elle va lui dire que. Je suis là. Porte-moi, mets dans l'avion. Porte-moi, mets dans l'avion. Maman, oh, la naïveté de ça. Moi, je suis une couroum-couroum, hein. Moi, je vois, j'observe. Moi, je vous avais déjà. Méfiez-vous, celui que vous croyez que c'est lui le dominant là. Au contraire, c'est lui le dominé. C'est lui le dominé. Hein? Vous qui venez sur les réseaux, vous qui vivez tous en Europe là, au lieu de vous concentrer sur vos vieilles couroum-couroum qui sont ici avec vous en Bénin. Hein? Vous dites que vous allez chercher les petites filles. Vous avez vu que Stella, là, c'est une petite fille comme vous pensez, là. Maman, elle a soulevé son gros caïman, hein. Son caïman de bouche, pas de poids. Attention. Son caïman de bouche, pas de poids. Maman, la gérance de ça. Anango, tu fais pitié. Tu peux que taper ta bouche sur Facebook comme tu tapes là. On t'a eu. Une petite fille t'a eu. Tu peux encore faire quoi? Garde ta femme blanche. Garde ta femme blanche. C'est ton dernier carrefour là-bas. Je te conseille. Ne la quitte pas. Hein? Parce que si tu la quittes pour être avec Stella, sache que Stella va te botter le cul. Comme on sait si bien le faire. C'est moi qui te dis. C'est un des conseils. Oh, moi, je ne te connais pas plus que ça, que sur les réseaux. Comme tu ne me connais pas plus que ça sur les réseaux sociaux. Je te donne les conseils à mon niveau. Quand ça va arriver demain, mon live, s'il va rester. Les gens vont remettre le live aussi en disant que voilà Élise Battante qui avait dit oh. Personne n'a cru que c'est vrai. Tout se passe en vitesse éclair. Tout ce qui se passe en Bing va vite. Vite, vite, vite. Hein? Tu as vu Stella, tu l'as pris pour une mocheté. Tu as vu sa bouche comme le cheval. Tu as vu ses boutons qu'elle avait au pays, noirs comme le Nkunta. Tu t'es dit que regarde-moi celle-là que je peux manipuler. Hein? Celle-là que je peux manipuler, que je peux traiter. C'est sûr que quand elle était payée, au pays là-bas, tu la grondais, elle disait seulement Amen. Oh mon, oh oui, je ferai tout. Oh oui, ah oui. Je vous préviens, hein? C'est pour vous prévenir. À vous tous autres là, vous les petits hommes de Mbengla, vous qui croyez que les filles au pays sont naïves, elles veulent venir en Europe, hein? Et on ne peut pas les en vouloir.
Elles veulent venir en Europe. Quand une fille commence à te montrer tes seins étant au pays, tu ne l'as pas encore vue. C'est Janango a fait deux voyages spécialement pour Stella. Ou plus. J'en sais rien. Vous pensez souvent que vous allez trouver qui. Mieux même encore une korom-korom comme moi que vous gérez ici, que les petites filles du pays là. Elles veulent Djumbeng. Une fois qu'elles ont Djumbeng, vous allez leur faire quoi? Où c'est Janango, elle là, il se voile les yeux. Il se voile les yeux. Il n'a pas le choix que de se voiler les yeux. Parce que la chute de ça, la honte de ça, nous sommes tous sur Facebook, non? L'explosion de ça, le tsunami de ça, hein? Le volcan en feu de ça. Quand ça va exploser ici, nous tous, au boum, au boum, au boum. On sera tous ici. Vous et moi, nous tous, nous serons tous assis derrière nos téléphones en train de dire que Maman, la soumission de ça. Qui vous a dit que quand j'avais besoin, ah, vous savez ce que c'est que la loyauté? On connaît la loyauté des Camerounais. Nous tous, on connaît. Tu aides même ton frère et ta soeur qui est sortie du même ventre que toi. Il vient, il te fuck up. Toi qu'on allait ramasser, alors tu veux dire que tu es trop loyal que qui? Pardon, j'ai encore ton dossier pendant que tu as encore un an et demi. Tu es un an à renouveler là. Une fois qu'on va te donner 10 ans là, tu n'auras plus le même langage. On se connaît. On connaît. On connaît. J'ai encore ton petit dossier, comme il a encore ton tutelle. Louloute. Chouin. Louloute, tu dis que quoi? Qu'au fond, il est possible qu'une fille vivant en Afrique tombe véritablement amoureuse d'un Benguiste sans toutefois être mal intentionnée. Oui? C'est ce que tu essayes de te convaincre. Alors, convainc-toi. Essaye, je te demande. Franchement, moi je parle un dossier où nous tous nous voyons, non? Nous voyons tous, vous voyez comme je vois. Moi je vous dis que le live de la fille là aujourd'hui m'a ouvert les yeux que je ne suis même pas à mesure de la clasher. J'ai compris que l'anga sait ce qu'elle fait. La petite là sait ce qu'elle fait. Anango, en dehors de Stella que tu pines quand tu veux. Quelle est la fille noire qui peut encore vouloir de toi après ton petit kikinette là? Hein? Qui? Tu peux gnoxer quel gars ici en Europe qui, une fille noire bien constituée, digne de ce nom, laquelle qui va accepter que tu la gnoxes avec ton chatouillement que tu as là? Et qui va accepter ça? Je dis ça aura. Qui? 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 Tu as dû essayer avant de te rabattre sur Facebook pour aller prendre une petite naïve. Tu t'es dit que comme tu la vois naïve, naïve, ses cuisses aussi sont serrées comme ça. Tu sais combien de bites elle a dû avaler cette selle-là là, au pays. C'est sûr que maintenant, toi-même, tu nages là-bas. Toi-même, tu nages là-bas, mais tu n'as plus le choix. Papa, tu as investi. Papa, tu as investi. L'investissement de ça. L'investissement de ça, ça te tient. Il faut que c'est ton histoire qui va réveiller tous les autres imbéciles qui laissent leur femme ici, là, en pensant que sur les réseaux sociaux, vous avez vu toutes les petites filles des réseaux sociaux du pays, là. Elles ont des posters, hein. Elles ont toujours des posters, un genre. Ah, quand on dit petite fille, c'est une façon de parler, hein, tu sais, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle soit petite. C'est un langage courant chez moi, hein, quand on dit petite fille. Une fille qui n'a pas mon âge, je vais la traiter de petite fille. C'est un langage courant. Ah, hein, c'est un langage courant. Je vous dis ça, non?
Anango, si tu quittes ta ouate là, mon père, tu vas finir vieillard ici en Bring, avec ta grande gueule que tu as là. Tu vas encore aller chercher une petite fille que tu vas ramener. Ce sera ton karma là-bas. Aller chercher les petites filles au Cameroun, djoum avec eux en Bring. Elle te quitte, tu vas rechercher une. Et tu djoum. Parce que ici en Bring, ton dossier est mort. Sauf si tu tombes sur une autre sans kaolo ici en Bring. Qui sait l'attaque comme elle peut serrer. Mais avec ton caractère là. Les filles qui ont déjà touché les pieds en bain ne peuvent pas te supporter. Désolée. Je vous ai dit que le deuxième live va être un peu chaotique, un peu sucré, un genre. Mais je ne dure pas non plus avec vous. Il est quelle heure? Je vous connais. Les 22h34. À 23h, je vous dis au revoir. Dieu la force, je te prends. Ok, tu m'as envoyé l'appel. J'espère que ce n'est pas pour m'insulter moi-même, oh, parce que je vous fais beaucoup pardon. N'interviens pas pour m'insulter moi-même. Maman, bonsoir. Salut, ça va toi? C'est comment? Ah, ça L'Espagne, va, oh. On est là, en non? Espagne, tu es bronzé là-bas. On va faire comment? Voilà, je vois, tu te concentres sur ce vieux chouette avec ses testicules à cuire dents. Cet imbécile a osé me... Il m'a débloqué, non? Il est venu m'insulter. Il me donne l'invitation, hein? C'est lui qui supplie l'amitié, il me donne l'invitation, il me bloque, il me donne, il me bloque, il me fait. Donc il fait comme si quelque chose ne va pas un peu sur lui, quoi. Il faudra qu'on regarde un peu là-bas à Paris ce qui ne va pas sur lui et son groupe, hein, son staff. Son staff, parce qu'il demandait à Paul Biya. J'ai demandé, je me m'appelle, il faut qu'on le traite dur. Lui. On doit nous tous verser sur On doit lui. le traiter. Ne lui donnons pas de Il va cadeaux. demander pardon au Il président nous de la a République insultés, avec il toute nous a sa traités clique. comme des chiens, nous Tu as Camerounais. vu comment il m'a insulté ce garçon? Parce que je l'ai reproché. Hein? Avec sa bite et sa petite stèle là, j'ai demandé à la petite fille là de demander pardon devant ses parents sur les réseaux sociaux parce qu'elle a souillé ses parents. C'est une vieille prostituée. Mais quand on est petite comme ça, là, on n'a pas encore l'âge de faire la prostituée. Même si, non, une intellectuelle, elle parle de l'intelligence, mais pourtant elle se prostitue. Tu ignores quoi ici en Bing? Dans le mot intellectuel, la position est juste dans ça. Mon père, nous, on ne connaît pas ça. Oh. C'est peut-être une nouvelle façon de faire la couverture. Ha! Maman, une petite fille, elle a monté ses 5 romans sur Facebook. Elle n'a pas de père, elle n'a pas de mère, rien. Elle Comme ça, là. Franchement, lui a dit elle aurait pu contacter Magazon. Elle aurait pu contacter Magazon pour prendre les cours avec les poires de carottes. Je ne viens pas là insulter mes soeurs ici, pardon, ta faute. Ta faute. Parce que ça va Magazon retomber m'avait sur moi, oh. insulté. Concentrons-nous sur la cible, avec. Les deux. Concentre sur la cible, ta faute, pardon. Concentrons-nous sur la cible. Oui. Elle aurait pu contacter des personnes qui sont dans ça. Aller à Monaco, il y a des personnes là-bas qui Mais en sont dans plus, ça. franchement, elle est plutôt bien foutue. Tu sais, elle est juvénile, non? Tu sais que les vieux papy ouate qui ont les dos là aiment les petites gars juvéniles comme ça, non? Je te dis, mais elle se trouve, elle va Elle est perdre, elle juvénile n'a pas avec gagné sa avec bouche ça. là. Elle doit bien tailler les pipes. Les pipes, Donc, tu es innocent. elle peut prendre 3 à la fois, pas un. C'est-à-dire, c'est le surchargement des pipes. Elle surcharge. Sa bouche est large comme ça, comme la tronçon du Je caterpillar, te maman, la dis, fille là. quand je vois que Ah. je lui ai dit qu'elle vient même chercher une place chez moi, j'ai des places, qu'elle vienne. J'ai dit seulement qu'il faut qu'Anango la surveille parce qu'on doit prendre la recette. Ouais, Hein? maman, mettez-moi dans le réseau. Parce que Serge Anangola doit travailler aussi. Hein. Il doit travailler. Il doit lécher les culs des hommes. Parce qu'il n'a Il y rien. a plus de 100 personnes maintenant à Un côté garçon de qui toi. Pardon, parle seul, je il t'écoute. ose parler.
Il ose parler de Paul Biya, de sa manière, comme si c'était son Laissons égal et même un peu supérieur. Paul Biya. Laissons un peu Paul Biya. Est-ce que, Merci. quand, tu sais que quand nous sommes ici, moi-même, je ne suis pas trop pour Fleur de Lille. Hein? Mais Fleur de Lille, c'est ma soeur camerounaise. Bien C'est une sûr. ancienne des réseaux. On ne peut pas se permettre qu'une petite Chibanyagonia qui est arrivée hier, là, l'insulte comme elle l'a traitée, là. Hein? Elle sort d'où? La place aux anciennes, c'est comme ça que ça fonctionne. Facebook, c'est notre terrain. On doit respecter les anciens. C'est clair. Oui. Anango sort de nulle part. Il de là, il commence à insulter les gens. Oh, il sort les gros mots Facebook, c'est français. notre Oh, terrain. On respecte les anciens. Moi-même, je suis arrivée sur Facebook ici. Je n'ai jamais manqué aucun respect à une des anciennes là. Aucun. Parce que je respecte mon couloir. je souhaite son divorce Hein? avec la blanche là. Je veux le voir quand l'hiver le tape en Europe. Je veux voir quand l'hiver tape ce tandango là en Europe. Je souhaite son divorce. Pas le gars qui se cache derrière les femmes blanches ici en Europe, non. Je souhaite son divorce. J'ai dit ça. Nous tous. Et je souhaite que les Camerounais se révoltent contre celui Qu'est-ce que avec moi-même je sa fais? clique. Moi-même j'ai fait Oui. des fausses postes qu'au bout d'un certain moment, il faut que nous tous on le fasse comprendre que il y a des gens qui ont déjà pris la nationalité française ici, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont méprisé le Cameroun comme celui-là il a fait. Hein? Non, il a méprisé. Il a fait Maman, ça vous les fort. goûtez, vous êtes des Il chiens a mous, vous êtes agressé les gens, c'est quoi? lui. Hein? On va où? C'est quel Agresser des oiseau ça? gens, des personnes et Il tout nous et ramène tout. en plus Je une ne sais belle plante, quoi. il ne veut Ils pas qu'on sont la mette qui? sur le trottoir. Hein? Moi, j'ai de la place pour Stella, qu'elle vienne bosser. Il monte son cuir dans dehors. Il monte son cuir dans. Tiens, même vu. Le tulle n'est même pas debout, hein. Ça se lève pas. Kikinette Oui, sale. ça se lève pas. Ça se lève pas. Sûr que ses enfants sont les enfants, comme Tu on dit coupes ça là. en deux. Tu coupes en deux. Non. Oui, c'est ça. Sûr que ses enfants sont les enfants, qu'on a seulement. Insémination, c'est des éjaculeurs précoces. C'est un éjaculeur précoce. Après une entrée, ils versent, non. Tu sais que les Parler de la spermatozoïdes, politique et autant les spermatozoïdes sont les c'est un maîtres PD. nageurs. Les spermatozoïdes, les spermatozoïdes nagent dans le vagin. Wop, 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 ils atterrissent seulement. Est-ce que pour lui ça parle nager? Pour lui, mais en route, ça n'arrive même pas en superficie. Ça n'a pas de ça n'a pas de goût aussi, désolé. Hein. Même parler de mon président, et l'angmiazout. Mince. De ta main faux aussi, n'oublie pas. Même s'ils vont se réconcilier là-bas, il faut d'abord qu'on lui Écoute, fasse comprendre non. que quand on L'autre là, arrive dans non. un territoire, on respecte le code. L'autre là, s'il veut l'insulter, s'il veut l'insulter, Mafou, comme il veut, s'il veut l'insulter, Mafou, il est habitué aux insultes. Non, C'est un peu un plus rien ce changé. n'est même pas ça. Il On faut va que pas quand empêcher l'autre quelqu'un là. arrive quelque part, quand quelqu'un arrive quelque part, il doit respecter le code. Nous tous, c'est comme ça. Ça fonctionne comme ça ici en Bénin. Tu ne peux pas arriver C'est pas ma faute hier, qu'il tu l'avait penses que fabriqué. tu es déjà. C'est pas ma faute qu'il l'avait fabriqué. C'est pas ma faute qu'il l'avait fabriqué. C'est ma faute qu'il l'avait Est-ce qu'il fabriqué. s'en souvient encore? Merde. Est-ce qu'il s'en souvient encore? Il dit que ma faute était dans son direct tous les jours, 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 tous les jours. Franchement. Franchement. Moi, je vais te laisser au En tout cas, conduire ton direct. moi je continue un peu comme ça là. Je finis même déjà aussi parce que je leur ai dit qu'à 23 h j'arrête. Je vais pas. Pas fou, ta faute dit que tu es mou pour les clashs. S'il y a quelqu'un qui veut envoyer sa part là, nous sommes en Europe. Facebook, c'est comme sur le terrain du Waka. Chacun doit respecter sa place. Chacun doit respecter son code. Elle est là avant tout le monde.
tu respectes ton code et ta place, point barre. Non, tu n'arrives pas hier, tu penses, tu vas venir tu vas venir dominer les qui? Nous, les Indiens, Kouroum Kouroum, qui sommes là depuis, tu crois qu'on va te laisser prendre la place, toi qui? Vous comprenez ce que je veux dire? S'il y a quelqu'un qui veut intervenir, hein, allez-y. Hein. Mais je vais vous dire que Facebook, c'est comme maintenant, comme on se connaît là. On respecte le couloir, on respecte la place. Oui. Tu ne peux pas atterrir, tu dis que tu étais abeille. Tu étais abeille. Et aujourd'hui, tu insultes ta reine. Tu étais abeille. Aujourd'hui, tu insultes ta reine. Tu veux prendre sa place, maman? Tu veux prendre la place de Fleur de Lys? Même moi qui n'ai pas abeille de Fleur de Lys, hein, au bout d'un certain temps, je prends Fleur de Lys, je vais sous mon va-ventre, je la supporte d'abord et je t'insulte d'abord toi. Oui. Je te traite. Au bout d'un certain temps, je prends Fleur de Lys, je mets sous mon bas-ventre, je la supporte d'abord, elle, et je te traite. Tu es arrivé hier, ça ne fait même pas un an et demi que tu es là. Tu as 1500 vues. Sorry, tu penses que ça y est quoi? Tu es arrivé, tu dois évincer les autres. Celles qui étaient là avant toi, que ce soit Fleur de Lys, Compressor, Veuve Joyeuse, Valérie Amourou, j'en passe. Qui j'oublie là? Pardon, donnez-moi les noms. Donnez-moi les noms. La tronçonneuse verbale, qui encore? Nous tous, on vient derrière, derrière. Oui, Lolo Fonja. Oui, qui encore que j'oublie? Nous tous, on vient derrière, derrière, on s'aligne comme on peut. On se trouve nos places. Matezo Achopa, maman, j'en avis. Oui, on s'aligne. Toi, tu arrives hier. Tu penses que tu vas. Le peu que tu as fait là, tu te crois déjà au summum. Je suis intellectuel parce que l'intellectuel, il faut aller voir dans le dictionnaire ce que c'est que fuck your girl. Tu as compris? Moi, je te dis tout de suite que. Moi, j'ai pris mon couloir, je me fais ma place petite, petite. Je ne dénigre personne, je ne méprise pas les anciennes, parce que c'est comme ça se passe dans la rue, c'est comme ça que ça doit se passer sur Facebook. C'est comme ça que ça doit se passer sur Facebook. Quand tu arrives derrière, tu prends ta place de derrière et tu gravis les échelons. Hein. Tu ne dois pas faire n'importe quoi. Désolée, ma chérie. Désolée. Tu es en train de fuck up parce que toutes les anciennes là, j'en appelle d'abord à toutes les anciennes, tombez sur elles, éteignez là. Elles, éteignez là, elles doivent s'aligner. J'ai déjà prononcé tous les noms. Lolo Fonja, Matezo Achopa, Veuve Joyeuse, il y a plein de noms. Aline Zomembeng. Hein? Qui j'oublie, vous avez tous les noms de nos stars Facebook, vous avez tous les noms de nos stars Mbrakata Facebook, Valérie Amougou, vous avez tous leurs noms. Il en est hors de question. Au bout d'un certain temps, c'est où on doit connaître que il en est hors de question qu'une abeille de chez Fleur de Lys dit qu'elle quitte les seins. Elle ne quitte pas les seins, elle reste là-bas sucer le miel. Elle va rester faire le work pour lequel elle a été embauchée. Elle doit aller travailler. C'est son travail. Elle doit rester là-bas. J'ai oublié ma compresseur. Allez-y, faites votre boulot. Tu es abeille, tu dois sucer le miel. Allez butumer les fleurs et venir transmettre le miel. Un point, c'est tout. Moi, je suis comme ça. Vous allez me dire que, oh, on m'a déjà dit que Élise, attends, tu dois prendre ta place. Je ne prends aucune place. Ce sont toutes mes soeurs camerounaises. Je ne prends aucune place. Si la semaine, si j'ai décidé que je suis d'amour pour telle, je suis d'amour pour la personne là. Si la semaine prochaine, je suis d'amour pour une autre, je suis l'amour pour celle-là. Mais je ne cautionne pas le manque de respect. Je ne cautionne pas le manque de respect pour nos aînés.
Je ne parle pas des aînés parce qu'elles sont peut-être mes grandes sœurs. Non, pour nos aînés de Facebook, elles ont subi ce que nous, on n'a pas subi. Elles ont bavé. On les a traitées. On les a fait ça dur. Elles étaient des femmes fortes. Une petite pisseuse d'hier. Tu vas où? Ma chérie, tu vas où? Ta place n'est pas là. On va te traiter. Tu vas disparaître sur les réseaux sociaux. Je compte sur vous. Hein. Ne me faites pas me mouiller comme ça pour rien. Hein. Ne me faites pas me mouiller comme ça pour rien. Parce que à l'heure là, je défends toutes mes reines. Je défends toutes mes. Je défends toutes mes reines de Facebook. Toutes, je les défends là, à l'heure là. Oui. Parce qu'après demain, quand je vais aller sur YouTube, vous allez m'aller me traiter là-bas comme il se doit. Comme vous êtes aussi hypocrite comme quoi là. Bon, voilà alors. Tu ne peux pas venir. Tu dis que tu étais abeille, l'abeille la plus active. Elle a dit que quoi? Quelle était l'abeille la plus active? Hein? Et je n'ai pas vu ton nom passer quelque part comme les Mafo de Kiss et tout ça et tout ça. Et les Batafo qui est intervenu là. Hein? Et que tu dis que tu étais la plus abeille des abeilles. Plus que les abeilles des abeilles. Sorry. Et ton petit nom, c'est quoi? C'est qui? Jusqu'à tu te compares à elle, je croyais que je rêvais. Elle dit qu'elle rêvait d'être comme Fleur de Lys. Elle rêvait qu'un jour elle rencontre Fleur de Lys. Tu rêvais rencontrer Fleur de Lys? Nous, on la rencontre ici quand, même moi qui suis en campagne là, si je veux rencontrer Fleur de Lys, je la rencontre. Hein? Hein? Tu rêvais rencontrer Fleur de Lys. Maintenant que Fleur de Lys t'a donné l'opportunité qu'on te voit, tu viens faire ton caca merdique là sur elle. Hein? Tu viens faire ton caca merdique là sur elle. Tu es malade. Moi, je t'ai dit que Facebook, c'est comme sur les trottoirs. On respecte les anciennes. Point barre. Tu m'as jamais vu, moi, Élise Battante, si insulter une d'entre elles. Jamais. Tu arrives hier. Tu crois que tu es arrivé? Tu es arrivé. Tu es trop arrivé. On va t'éteindre. On va t'éteindre. Tu vas repartir. Finir ton contrat avec Anango. Tu vas finir là-bas avec. Donc c'est pour ça qu'il t'a amené pour que tu viennes être aussi quelque chose. Mini Minor, depuis quand tu aimes les femmes, toi aussi? Aka, quitte-moi là, toi aussi. Donc tu es même là. Maman, vous avez déjà vu quoi? Vous les abeilles de flotte. Moi, je suis no team. Où ça me prend, je défends. Je défends tout le monde. Je défends les anciennes. Je vous ai dit que Facebook, c'est comme le trottoir. On respecte les anciennes. On ne méprise pas. Quelqu'un que tu as dit que tu l'as admiré. Tu l'as admiré. Je t'admirais, Fleur de Lys. Je t'admirais. Je rêvais te rencontrer. Tu étais encore dans les lobbies au pays. Tu étais dans les lobbies. Des lobbies du pays. Tu rêvais l'admirer. Moi, j'étais déjà en Beng. Je la voyais ici, hein, sur les réseaux, là. Hein? Je la voyais là. Tu étais dans les lobbies. Tu rêvais. Quand tu es arrivé, tu as 300, 400, 500, 1000 vues. Jusqu'à tu as eu 1500 vues. Maman, tu as vu la bouche de cheval que tu as. Tu as vu ta bouche. Moi-même qui suis arrivé sur les réseaux sociaux ici, j'ai pris mon couloir. J'attends comme insert un peu sur une place. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Tu ne connais pas les tu ne connais pas les codes. Tu ne connais pas les codes. C'est comme ça que ça se passe. On m'insère où on peut jusqu'à ce que je trouve ma petite place. Je m'installe aussi, je m'installe. Ah, j'arrive, hein, Fleur de Lys, j'ai rêvé quand j'ai vu comment tu m'as parlé et tout.
Tu ne vas pas me dire que Fleur de Lys est mon amie. Je n'ai pas dit que Fleur de Lys, c'est ma préférée. Hein? Non. Mais là, je la défends. Je la défends parce que c'est une ancienne. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Dehors. On respecte les anciennes. Après, bon, demain, si on recommence la petite guéguerre, c'est autre chose, hein. Si on recommence la petite guéguerre dehors, c'est autre chose. Moi, j'irai que regarder et dire que bon, moi, j'ai dit ma part, ma chose et tout. Je suis moi quittée sur ça. Hein? Tu es qui? Tu es quoi? Maman, tu m'appelles. J'ai horreur! J'ai horreur des filles, des gens qui m'appellent ma puce! Maman, j'ai horreur des gens qui m'appellent ma puce, ma pupuce! Si quelqu'un t'appelle ta puce, c'est qu'elle a beaucoup de considération pour toi. Blanche, ma foufou, ma la pète. J'ai horreur. Jusqu'à elle m'appelle ma puce. Elle m'appelle ma pupuce pour me dire que. Maman, va réécouter ton direct, toi-même. Peut-être que tu étais sur l'emprise du shoot. Regarde-moi bien. Toi, viens sur moi. Viens sur moi. Moi, je ne te. Je viens à... où tu es. Je vais te trouver. Maïti, parce que moi, je ne parle pas beaucoup. Je trouve où tu te caches. Et je te tape. Je te dis de respecter ton couloir. Parce que moi-même, une vieille courum-courum comme moi. Une vieille courum-courum comme moi, comme ça, là. Tu me vois que je suis en train de respecter le couloir. Je me fifole. Je cherche ma place easy. Je cherche où on va me positionner, où on va me stationner. Toi, tu viens. Avec la bave qui sortait sur les. Même pas 2 ans. Même pas 2 ans. Même pas 2 ans. Même pas deux, 1 an et 6 mois. Tu pars à deux. Rosalie, bonsoir ma chérie. Même pas 2 ans. Tu pars déjà à 2 ans. Même pas 1 an et 6 mois. Même pas 1 an et 6 mois. Elle se croit déjà arrivée. Maman, tu connais même dans quel cours tu joues. Laisse-moi te dire que tu joues dans une. On peut noter toutes tes bêtises que tu fais là. Hein? Tu nous connais même. Tu connais quand les filles du dehors disent qu'elles veulent écraser quelqu'un. Pardon. Donnez-nous le feu vert. Cacham. 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 Tu connais même que même ton école là, on te fait noxa ça. Que même où tu es, même où tu habites, où tu as ton appartement, on bousille tout. Tu nous connais même. Ah, mais ma petite soeur. Tu joues dans un terrain très, très miné, hein? Très, très miné. Tu devrais même demander pardon à Fleur de Lille. Demande pardon à Fleur de Lille. Demande pardon. Ce que tu as fait est mal, est moche. Même moi qui n'ai pas fan de Fleur de Lys, mais que je respecte quand même parce que c'est ma grande sœur, enfin ma grande sœur, je ne sais pas, que c'est ma sœur camerounaise, que c'est une ancienne, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Tu es bête. Tu es bête. Ça fonctionne comme ça. Tu es bête. Tu es bête. Dis-toi que Facebook là les appartient. On doit venir, chacun se faufile pour trouver sa place. C'est comme ça. Chacun se faufile pour trouver sa place. Me voici, non? Je me faufile comme je peux. J'essaie de ne pas manquer de respect à personne de tout mon possible, du moins à des anciennes. Si t'es une petite pisseuse d'hier, là, je règle mes comptes avec elle. Là, là, là. Je ne rigole. Alors là, je ne rigole pas avec ça. Mais les. Celles qui ont d'abord bouffé les njangis, les gros njangis, les gros mets de pistache, là. Hein? Yugukom, tu es arrivé. Petite sœur, tu es arrivé. Tu connais même à qui tu as affaire. Je te donne ça comme conseil. Tu connais à qui tu as affaire. Maman,
Si elle tombe sur toute sur toi là, attention que le renouvellement de Kaolo, là, tu risques de ne pas l'avoir. C'est moi qui te dis. Le renouvellement de Kaolo, là, tu risques. Demande pardon. C'est comme ça que je parle souvent mes choses ici. On pense que je blague. Demande pardon. Demande pardon parce que. T'as compris? Serge Anango vit en campagne. Hein? Serge Anango vit en campagne avec sa vieille ouate. Quand ça va ram, même venir, il ne viendra pas. Serge Anango vit en campagne avec sa vieille ouate. Même venir te sauver, il ne viendra pas. Tu es en train d'aller où? Donc, comme tu les voyais sur les réseaux sociaux au pays là, tu ne sais pas qu'en Bénin, il y a des codes. Tu ne sais pas qu'en Bénin, il y a des codes. C'est comme ça. Tu ne sais pas que c'est comme ça que ça fonctionne ici. Quand tu vois toutes ces vieilles chouettes là, sur les réseaux sociaux, hein? Rosalie, tu es devenue lesbienne toi aussi. Elle va faire son bébé pour avoir ses papiers. Avec qui? Avec Serge Anango. Tu veux que le même jour, là, Serge Anango se retrouve dans la rue avec la ouate là. Vous blaguez même avec les filles ouate. Ne simplifiez pas la fille blanche là. Ne simplifiez pas les ouates d'aujourd'hui là. Sors rien. Je vous préviens. J'arrive, j'arrive. Parce que moi, au bout d'un certain temps. Les ouates de 1900, ouais, c'est fini, hein. C'est fini, les blanches là, c'est fini. Vous connaissez même encore au jour d'aujourd'hui. Serge Anango lui-même sait qu'il a tout à perdre. Bemson, détrompe-toi. Tu savais que j'allais. Non, 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 non. On respecte les codes. Je vous ai dit que je ne suis dans aucune team. Je ne suis dans aucune team, mais je n'aime pas le manque de respect. Je n'aime pas le manque de respect des anciennes. Quand les anciennes sont là, moi, je n'ai jamais manqué de respect à toutes celles-là. Pourtant, je me faufile. Je me faufile, je me faufile, je me faufile. J'essaye de trouver ma place tout en ne pas vexant, tout en ne pas vexer quelqu'un. Celles qui sont déjà là depuis. Et celles-là, vous avez vu comment elles vous traitent, comment elles les a traitées. Vous avez vu comment elles traitent. Elles commencent même par celles qu'il ne faut pas. Tes abeilles là, tu vas dire à tes abeilles là que tu vas dire qu'elles ne font. Maman, elle vous a aussi insulté, les abeilles. Maman, vous avez pris pour votre grade avec elle, hein, les abeilles. Elle vous a traité que vous êtes des moins que de rien, des vauriens, vous n'êtes rien, vous êtes des troubadours, des esservelés, que vous êtes bon à aller vous asseoir sur la merde. Hé, hey, reine mère, c'est maintenant que tu arrives. Moi, je vous ai dit que j'allais arrêter à 23h. Bon, tellement la vidéo. Tellement aussi. Et chercher la Starmania. Attention, il y a des façons de chercher. On peut chercher la Starmania sans pour autant pousser le bouchon. Hein. Parce que où elle est là, elle? Attention. Regardons nos arrières parfois, vous savez. Attention, il faut savoir regarder ses arrières. Où elle est là, elle a plus à perdre que beaucoup d'entre nous. Hein. Où elle est là, elle a beaucoup à perdre que beaucoup d'entre nous. Il suffit que les gens décident de lui mettre en mal. Elle va faire quoi? Tout le monde sait écrire. Tout le monde connaît l'école où elle va. Tout le monde connaît sa petite vie misérable et tout ça. Maman, pour un seul courrier anonyme. Pousse un seul courrier anonyme.
Ta vie est finie ici en Europe. Donc, parfois, il faut savoir parfois prendre sa place. Laissons un peu les histoires de Facebook et tout ça. Tu ne peux pas venir montrer que tu es supérieur aux autres sur les réseaux sociaux parce que un homme que tu as dragué dans les réseaux sociaux a été assez bête pour te faire venir en Europe et que tu penses que toutes les personnes qui vivent en Europe sont bêtes. Sorry, qui veut intervenir là? Imbécile. Tu finis de m'insulter, tu crois que tu veux intervenir dans mon direct? Chouin. Tu es qui? Mouf, dégage. D'ailleurs, je vais te supprimer. Où est ton message là? Attendez, je supprime cet imbécile là. Si c'est Serge Anango qui vient en faux profil, Serge Anango, je te supprime. Je te bloque. Je bloque ta gueule. On t'a bien niqué la gueule. La petite sœur là t'a baisé comme un petit oiseau qu'on dépucelle pour la première fois. Chouin. Allez, dégage. Fuis. Voilà. Allez, fous le camp. Rends-moi quelqu'un. Il vient juste quand il m'appelle pour intervenir. Il est même courageux pour appeler pour intervenir. Tente. Tente encore. Tu vas venir là, on va voir ta sale tronche avec ta petite kikinette là. Ta petite kikinette, elle est comme ça, la petite comme ça. J'avais dit ici que les hommes qui bavardent beaucoup n'ont pas de grosses bites. Elle est petite comme ça là. Même la large bouche de celle-là ne peut pas te sucer. Tu ne remplis pas sa bouche. Elle a besoin d'une bouteille comme ça là pour que je sais pas moi. Hein? Elle a besoin d'une grosse bouteille comme ça avec au moins 16 cm de diamètre pour que qu'elle puisse bien que ça remplisse sa bouche en fait son gosier là. Tu vois un peu quand ça vient comme ça tu hein? Parler de quoi à qui? Ouf. Futuriste, futuriste, dit que appelle-moi. Ouais. Futuriste, si tu viens mal, je te bloque. Je te bloque, je ne rigole pas. Si tu viens bien, ok. Je te bloque. N'est-ce pas, Angélique Marie? Celle-là est mignonne. Elle est maligne. Hein? Si tu viens mal, je te bloque. Hein? Je t'ai prévenu. Bonsoir. Toi, ouais, la battante, comment tu vas? Ça va, on gère. Mais c'est quoi avec les clashs dans un moment? Est-ce qu'on clashait? Donner les conseils, c'est déjà synonyme de clasher. Ok. Ah, tu sais que moi j'étais pris en cours, hein? Moi je ne sais même pas l'objet du débat. Je me suis connecté, c'est moi, tu vois comment tu clashais, je sais pas qui. Tu fais partie des hommes qui vivent en Europe ici, que les petites filles vous trompent sur les réseaux sociaux. Vous nous laissez ici en Europe. Vous partez chercher les petits-enfants comme ça. Après, ils viennent vous gérer. Hein? C'est ça, non? Ah non, hein, non, hein. Faut être un gamin pour se faire emporter par, je sais pas, par. De toutes les façons, chacun sait ce qu'il vient chercher en Europe, non? Voilà. On ne s'aligne pas par rapport aux autres. En fait, c'est quoi l'objet du débat, la battante? Ah, car l'objet du débat, c'est qu'au bout d'un certain temps, il faut que chacun respecte son couloir. Ah, et qui est en train de manquer du respect à l'autre? C'était la manque du respect à Fleur de Lille. Comment ça? Tu sais, je suis Ouais, mon pas. pote, tu vois que je peux réécrire encore toute l'histoire. Waouh! Non, le problème, c'est que depuis quelques jours, je ne suis pas trop sur Facebook. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Ouais, comme tu parles la même langue là, tu me donnes déjà même envie de dormir aussi.
Bon, réinterviens une autre fois quand on aura des sujets que tu prends en cours, non, mon frère. Ah, d'accord, ça va. Ça va. Allez. Je ne sais pas, je ne vais Bonne pas refaire toute continuation. l'historique pour toi, non. Tu comprends, non? Ouais, ça va. Sans rancune, non. On est ensemble. Mais de toutes les façons, même s'il y a n'importe quoi, le linge, ça se lave en famille, non? Nous sommes tous Camerounais, c'est ce qu'on essaye de faire. Tout On à fait. lave le linge sale là en famille. Mais on ne doit pas quand même, puisque tout ce qui se passe là, c'est l'image du Cameroun qui est ni Mondovisio comme ça. Donc voilà, venir sur les Il réseaux n'y a pas de sociaux, mon jeu, il faut même résoudre des laisser ça, il faut savoir problèmes que pareils, c'est c'est pas bien. mon frère, ce que tu dis là, moi-même, j'avais la même réflexion, il fut quelques années, mais je me suis rendu compte que nous tous, on critique, mais nous tous nous suivons. Tu vois, c'est quelque Ouais. part que ça nous fait une sorte de notre télé-nouvelle et que ça nous détend, nous tous. Parce que même moi, si qui ai pris l'initiative de venir maintenant sur les réseaux sociaux et venir parler maintenant, c'est parce que finalement, ça me fait du bien. Je parle des choses, je parle des sujets, j'aborde des sujets et tout et tout. Et je me fais plaisir et je me fais du bien à moi-même. Et ça me libère le cerveau. Si ce n'était pas le cas, toi-même, tu ne me suivrais pas ce soir. Hein, mon frère? Ouais, Donc, c'est parfois, clair. il faut un peu laisser même Mais le Cameroun, où il est au Cameroun, là-bas, laisser un peu, concentrons-nous entre nous ici, connaissant nos vies d'ici en Bénin, connaissant comment ce n'est pas facile et qu'on doit se détendre comme on peut. Tu comprends, non? ça, je comprends, mais bon, le problème, c'est que, voilà, on a toujours tendance à mélanger la politique avec d'autres choses, avec les histoires de mœurs et tout, Ouais, pourtant, mon frère, moi, je voilà. n'ai pas envie de parler de Ce n'est politique pas ce soir. ça, J'ai ce n'est pas ça. tellement parlé de politique. Je ne sais pas si tu viens de commencer à me suivre. Moi, j'ai parlé de politique, j'ai donné mes points de vue ici, j'ai même bien insulté aussi et tout ça, tu vois. Donc, ce soir-là, ce n'est pas question de politique, c'est question de qu'on doit Non. accepter, respecter les anciennes. Et choisis Ah, sur ok. toi. Si tu veux te faire une place, tu te fais ta place. Easy, easy, mollo, mollo. Tu n'as pas besoin de mépriser l'autre. C'est tout. À ça, le respect est mutuel. Voilà. Ouais. Normalement, on doit créer des forums comme ça pour pouvoir résoudre ce genre de problème, hein. Que Qui va alors d'aller créer? s'afficher sur les réseaux sociaux pour voilà. C'est pas bien quoi pour l'image du Cameroun, hein. Tu viens encore parler d'image, de l'image du Cameroun. Laissez-nous un peu ça. Nous, on veut seulement aussi passer le temps. Tu crois que tu préfères quoi? Me voir en dépression et prendre des médicaments ou me voir sur les réseaux sociaux à faire ma comédie et on rigole et on parle de tout et de rien. Franchement. Ah, ok. Bon, de toutes les façons, Oublie moi, je ça. savais pas que c'était les histoires d'insultes et tout. Et tout. Moi, je me suis dit que peut-être c'est Non, une histoire personne de n'insulte politique. C'est ça que personne. j'ai Et puis, intervenu, quoi. franchement, tout ça finit toujours Bon, par se de toutes les façons, rapprocher, moi, je te laisse franchement. continuer. Je te laisse continuer ton direct et puis J'ai voilà. eu un sujet tout à l'heure qui était pertinent, très sérieux. Ça aurait été avec plaisir si tu intervenais parce que ça concernait nos enfants qu'on ramène ici et que Ouais. finalement, on se retrouve que l'État nous arrache nos enfants et que c'est une petite fille africaine qui s'est retrouvée à 14 ans meurtrière, qui a tué un blanc de 35 ans. J'aurais aimé que tu Aïe, aïe. interviennes. Moi, j'aborde tous les sujets, tu vois. Oh. Et ça s'est passé où? Ici, en En France. France? Aïe, aïe. Moi, je suis pas au courant. J'ai Hein. abordé le Et sujet, il a duré presque 1 heure. Il y a beaucoup de gens qui ont intervenu, on a parlé et tout. ah, ok. Moi, je savais pas. Mais voilà, avec ce genre de problème, il faut déjà d'abord voir le cadre dans. Déjà, l'enfant, il faut d'abord voir le cadre dans lequel il a grandi, il a été élevé au pays avant d'arriver ici. Et quand il arrive ici, il faut voir aussi les conditions dans lesquelles l'enfant est. Voilà, dans les conditions dans lesquelles l'enfant vit. Est-ce qu'il est bien encadré par ses parents? Est-ce que. Bon, il y a tellement de questions. Parfois, c'est la négligence et ce genre de truc arrive parce que, voilà, l'enfant déjà a pris une très mauvaise base, tu vois. Peut-être les parents n'ont pas su donner l'éducation qu'il fallait au départ. Et ça dépend aussi maintenant du milieu, en fait, de son entourage aussi, puisque, voilà,
vous allez beau donner une très bonne éducation à l'enfant, tant que le milieu, l'entourage n'est pas sain, l'enfant ne pourra pas voilà, suivre vos conseils à 100%. Donc, il y a autant de choses, il y a autant de questionnements, mais c'est quand même dommage et c'est vraiment regrettable, quoi. C'est regrettable. Mais D'accord. toujours est-il que l'éducation qu'on donne à nos enfants ici en Europe, on ne doit pas à 100% se focaliser par rapport à l'éducation du blanc. On doit essayer de donner une éducation 50-50. Genre, on prend un peu du côté de notre blé et un peu du côté du blanc pour que l'enfant ne soit pas totalement égaré, quoi. Pour que, en fait, c'est pour éviter à la longue certains trucs. Nous tous, on connaît comment les enfants de l'Europe sont. Les enfants qui sont nés ici, ils ont grandi ici. Bien qu'étant noirs de peau, mais à l'intérieur, ils sont pas noirs. Ils ont totalement la mentalité du blanc. Donc, moi, je me dis, l'enfant qui vient de l'Afrique, il doit normalement être différent de celui qui est né ici. Si il vient de l'Afrique et qu'il vient ici commettre des crimes, ça veut dire que voilà, il y a quelque chose qui n'a pas marché au niveau de son éducation dès la base, quoi. Donc, voilà. Bon, de toutes les façons, je ne vais pas te retenir. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont intervenir. Voilà. Oui, pas de problème. Bon, ce C'est sera plaisir encore, tout pour moi, hein. ce sera que ravi que tu interviennes encore sur d'autres sujets quand je suis en ligne. Voilà, d'accord? Allez. Ok, pas de souci. Allez, bonne soirée, un bisou, ciao. Bonne soirée, à bientôt. Prends soin Ciao, de toi. bisous. Bye bye. Merci. Voilà. Bon, waouh. Bon, c'était quand même intéressant parce que je lui ai dit quand même qu'on abordait aussi, on ne parlait pas toujours que des histoires de... Je sais. Il a déjà joué. Déjà, si vous êtes grand, il a déjà joué. Waouh! Moi, ça m'a un peu coupé la chic. Hein. Si quelqu'un veut intervenir, qu'il relance un peu le débat fort fort là. Intervenez alors, on relance le débat fort fort. Parce que moi-même, ça m'a un peu calmé, non? Quelqu'un intervient là, on relance le débat. Même si vous vous cachez, non? Mettez-vous même en. Cachez-vous, cachez-vous. Hein? On relance le débat fort fort parce que maintenant, moi, ça m'a un peu. Ça m'a calmé. Angélique Marie dit qu'il a déjà joué. Aïe, non, les amis, si quelqu'un peut intervenir pour relancer un peu, parce que moi, je suis un peu prise dans l'émotion et tout, vous voyez un peu, non. Hein? C'est un client. Non, non. C'est un client, je sais. Est-ce que quand il a parlé, là, on a parlé business, on a parlé prix aussi. Non, les amis, vous êtes graves. Non, je ne sais pas ce qui vous arrive aujourd'hui, merde. C'est moi, j'ai un fou rire, pas possible. Si je commence le fou rire, là, le direct est terminé, pardon. Qu'on sache. Non, mais c'est notre frère, non? C'est notre frère camerounais qui voulait quand même qu'on fasse attention à l'image du Cameroun. Personne n'intervient. Ouais. Hein? Personne n'intervient. Quelqu'un peut intervenir, non, pour relancer un peu le truc, non. Que quelqu'un intervient, on relance un peu le truc. Hein? Qui devant, c'est ton nouveau client.
Vous êtes grave, non, non. Les... C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut respecter le couloir. Tu ne peux pas arriver hier. Tu ne peux pas arriver hier. Tu dis que tu arrives, tu veux déjà dénigrer. Parce que soi-disant, tu étais une ancienne abeille depuis le pays. Je te respectais, je rêvais te rencontrer. Ma chérie, les mots ont un sens. Hein? Moi, j'étais déjà en France ici. J'ai vu Fleur de Lille commencer. J'ai vu Fleur de Lille commencer. Je n'ai jamais rêvé de la rencontrer. Mais si j'aurais voyagé avec elle ou autre, que je serais même à Paris, je l'aurais vu, j'aurais été avec plaisir, lui dire, tiens, Fleur de Lille. Alors là, c'est toi, alors, Fleur de Lille. Tu vois. Toi, tu viens, tu dis ça avec, en mode dénigrement. J'aurais aimé. Quand j'étais déjà au pays, je rêvais te rencontrer. J'aurais aimé chérie, tu as 1 an et 2 mois. Méfie-toi. Tu ne connais pas le monde, Kamer. Même Anango ne va pas te défendre. Même Anango ne va pas te défendre. C'est moi qui te dis. Non, vous êtes grave. Quoi? À 30, on laisse, non? Elle ne sait pas à quoi elle joue. Elle ne sait pas à quoi elle joue. Elle croit qu'elle est arrivée. Elle ne sait pas à quoi elle joue. Quand vous ne connaissez pas la loyauté, maman, qui tient encore les discours comme ça aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous autres là? Comme vous ne connaissez pas la loyauté, comme je suis loyale, c'est lui qui m'a fait venir. Il a payé plus de 14 000, il a prêté 7 000 euros. Maman, tu tiens un discours de 1900, ouais. Qui te dit qu'on tient les discours comme ça de nos jours? Qui? Qui? C'est pour ça qu'il abuse. Parce que, bon. Parce qu'il croit que tu es une gamine. Mais moi, je sais pourquoi tu utilises ces mots-là. C'est pour l'endormir, lui. Tu lui dis ce qu'il a envie d'entendre. Ma chérie, tu lui dis ce qu'il a envie d'entendre. On se connaît. Toi-même, là, tu es une rusée. Tu as ça. Non, franchement, Anango. Tu vas te pendre après Stella. You go drink suicidant. Binyongal. Binyangetan. Tu vas attraper la blanche là. Binyongal. Binyangetan. C'est ce qui va se passer avec toi. Quand j'ai vu, je vous dis que Stella, c'est une fille que moi, je ne suis pas spécialement, quoi. Bon, j'en entends parler. Mais aujourd'hui, là. J'ai pris sa vidéo entre mes deux mouvements, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Je reviens, je dis que merde! Je dis que, mais Anango croit qu'il tient la fille ici? Comme il y en a beaucoup qui sont là pour m'admirer, que mes loulous, pardon, attendez que l'heure arrive, je vous dis bonne nuit. Donc, ça veut dire qu'il n'y a personne qui fait le live ce soir-là. Donc, vous êtes tous versés sur moi aujourd'hui parce qu'il n'y a personne qui fait le live ce soir. Ok, à 30 là, moi-même, je vous laisse. Hein? J'ai vu la fille là, j'étais comme ça, je disais que oui, voilà une petite, voilà une fille qui a pris un gars marié, s'il vous plaît. Qui a pris un gars marié depuis la France, qui lui a fait aller faire les dossiers, l'a fait monter en Beng, arriver ici. Serge Anango, tu es pris dans ton propre piège. Parce que quand on vous dit toujours ici que méfiez-vous, les petites filles du pays là, parfois elles sont plus rusées que nous, vos Korom Korom d'ici. Vous nous fuyez ici, vous pensez, oh, les vieilles filles de Mbengling, Korom Korom, les pites, les pimentiers et tout. Vous partez prendre des petites filles. Qu'est-ce qu'elles viennent vous faire? Aïe, aïe, aïe. Froup, frappe. La vidéo est là, non? Je ne sais pas si elle a été supprimée ou quoi. Moi, je l'ai vue en direct, en fait. Quand elle faisait le direct, j'ai vu.
La joyeuse est en direct. Bon, on va tous aller là-bas. Moi aussi, je suis fatiguée, non? On fait comme ça, les amis. Les filles d'aujourd'hui sont dangereuses. Vous ne pouvez pas. Les filles du pays, vous, je m'adresse à vous, mes frères qui sont en Europe là. Mieux encore, nous autres qui sommes ici avec vous, que les petites filles du pays. Ma faut finalement, tu viens seulement faire la publicité des gens qui sont en vidéo ici. Likame est en vidéo. Veuve Joyeuse est en vidéo. Veuve Joyeuse est censée être à l'hôpital. Elle ne peut pas supprimer la vidéo, tout. Si les gens l'ont partagée, elle a eu plusieurs partages. Hein. Moi, j'attends mon 30. Il est 24. Dès qu'il est 30, moi, je vous laisse aussi. Ok, bonne nuit, non. Les amis, bonne nuit. Bon, on est ensemble. Allons gérer. Bon, j'attends seulement aussi le retour de mon live. Bonne nuit à vous. Bye bye. On est ensemble. Bye. Non, Estelle Gaël Ngono. Estelle Gaël Oyono. Non, de quoi? Moi aussi, je dois aussi suivre. Rosalie, bonne nuit, non, ma chérie. Je dois aussi aller suivre le Japap un peu à côté, non. Sang, il a le choix. Anango, c'est le voleur volé. Appelez Anango le voleur volé. Anango est le voleur volé.